peut nous échapper. Que notre nouveau bureau d'Abbassia est bien gardé par un Rafik vif et alerte. Bassim, tu m'as surpris. Je lisais un peu de poésie. Oh. De qui? La poétesse de cour, Saïda Harib. Ses mots chantent comme des oiseaux de paradis. Ah oui, j'ai lu ses œuvres. Mon ami Nihal et moi-même nous faufilions dans la maison de la sagesse quand nous étions jeunes. Nous passions des heures à lire des histoires de dieux et de djinns. J'ai toujours adoré cet endroit. La maison de la sagesse n'est plus ce qu'elle était. Notre ami Ahmad ibn Moussa ne s'y trouve-t-il pas? Il y avait établi son atelier, si j'ai bonne mémoire. Oui. Je lui ai envoyé un message lui demandant de nous aider à établir ce bureau. Mais il n'a pas répondu. Mes espions n'ont pas réussi à le voir. Cela fait une semaine, et il reste introuvable. Ainsi, l'un des célèbres Banu Moussa a disparu dans la maison de la sagesse. Exactement. Va t'enquérir de ce qu'il est devenu. Cela sera fait. J'ai affiché de nouveaux contrats aujourd'hui. Je crois que je vais me faire une bonne nuit. Allons, calmez-vous. L'incendie n'était pas important et vite... La colère d'Allah est sur nous. La plupart de nos livres sont saufs. Le danger est passé. Vieillard, comment le feu a-t-il pris? Vieillard, Fazil Fahim est vieux, aussi vieux que la maison de la sagesse qu'il dirige, je te rappelle. Pardonne-moi, Oustadi. J'ai parlé trop vite. Puis-je t'aider? Non, le feu a été éteint par les brigades des sceaux du maître des eaux. Qui a pu allumer ce feu? Des vauriens, j'imagine. Des ennemis du calife, pour être exact. Quelle sorte de livres ont-ils brûlé? Ah, il est trop tôt pour le dire. Peut-être le gardien des livres le sait-il. Je suis à la recherche d'Ahmad ibn Moussa. Ah oui, il a un atelier ici, mais cela fait quelque temps que je ne l'ai pas vu. La paix soit avec toi, Aidé. Je vais prendre congé. Je dois toujours trouver Ahmad ibn Moussa. Je dois aussi parler au gardien des livres, à la bibliothèque.
Nassim, hey, neuf doigts, par ici. Mihal, qu'est-ce que tu tiens là, chaparneuse? Un livre. J'ai réussi à en sauver au moins un des flammes. Si on te surprend à voler... On me coupera un doigt? Non, attends. Toute une main, c'est ça? Ça n'a rien de drôle. Eh bien, ne ris pas. D'accord. Tu fais ta maligne et moi, je suis occupé. Rien qui te concerne. Oh, des affaires secrètes de ceux qu'on ne voit pas. De quoi s'agit-il cette fois? Un meurtre? Un vol? Un meurtre suivi d'un vol? Ça, c'est ta spécialité, Mihal. Tu as peut-être perdu un doigt, mais tu as toujours autant de tact. Tous ces outils et ces livres, cela ressemble bien à Ahmad. Mais lui, où est-il? Selon la lettre, ces livres sont destinés à Ahmad. Un autre livre de poésie d'Arib. Voilà qui plairait à David. Des instruments de mesure comme ceux qu'employait mon père. Mais ce sont ceux d'Ahmad. Ahmad signe toujours ses travaux. C'est clairement son œuvre. Travailler à quelque chose de nouveau. Mais quoi? Des schémas, des outils et d'autres étrangetés. C'est manifestement l'atelier d'Ahmad. Mais où peut-il être? Pardon? Puis-je t'aider? Je suis à la recherche d'Ahmad ibn Moussa. Tu sais où je peux le trouver? Je peux peut-être t'aider. Suis-moi. Est-ce ta première visite à la Maison de la Sagesse? Non. J'y venais en secret avec une amie comme nous étions enfants. Nous avons appris à lire seuls dans la bibliothèque. Si seulement tous les jeunes gens en faisaient autant. Ah ça, les gardiens qui nous chassaient tous les jours n'étaient pas de cette année. Ils ne faisaient que leur travail. Et qu'avez-vous appris à la Maison de la Sagesse? J'aimais la poésie et les récits d'héroïsme. On me dit, préférais les dieux païens et la magie noire. Intéressant. Et as-tu persévéré dans cette passion de jeunesse pour devenir un érudit? Alors que le monde entier me tordait les bras? Non, je suis plutôt devenu un homme d'action. Ah, fort bien. Et qu'en est-il de ton amie? Elle? Non, elle est toujours en quête de quelque chose. Mais je vous ignorais ce que c'est. Quel dommage. Ce n'est plus très loin. Allez, hâtons-nous. Garde! À moi! On m'attaque! Alors tu t'es fait dessus! Mensonge! Compris! Reviens, il meurt! Avec honneur!
Connard! Il vient d'exécuter quelqu'un! Non, pas mal. Je t'en prie, ne me fais pas de mal. Tu as attiré dans un siège. Je voudrais te tuer sur place. Épargne le doux Hamid. Alors parle. Où est Ahmad ibn Moussa? Aie pitié. Je ne sais pas où il est. Je te le jure. Je ne sais pas. Ce cas, pourquoi m'avoir attiré dans une embuscade? Il m'y a contraint. Qui ça, il? Sûrement pas Ahmad. Je ne connais pas son nom. Car il porte toujours un masque. Et qu'est-ce qu'il veut? Cet homme masqué. Il m'a ordonné de tenir tout le monde à l'écart, loin du lieu de fouille de la Maison de la Sagesse. Sinon... Sinon quoi exactement? Il me fera mal à la tête, comme aux autres. Pitié, épargne le pauvre Hamid. Où est ce site de fouille? En pleine nature, en dehors de la ville. Tiens, je vais te dessiner une carte. Cette carte devrait me conduire au site de fouille.